Salut tout le monde, alors normalement, aujourd'hui on est le soir d'Halloween, normalement, donc ce qu'on va faire, deux petits jeux sur Halloween, enfin entre guillemets, mais sur un décor sombre, un univers sombre. À la base, je voulais faire un jeu quand même qui fait un minimum peur ou quelque chose dans le genre. Ben le problème c'est que à chaque fois ils nous ressortent les mêmes jeux quoi, hein, Silentaille, Resident Evil, enfin des petits jeux comme ça quoi. Alors déjà c'est des gros jeux, j'ai dit petits jeux juste avant, tu sais. C'est des gros jeux donc un peu trop long, tu peux pas vraiment faire une vidéo dessus. Et puis c'est pas des jeux qui font non plus super peur quoi. Donc du coup je me suis dit bon bah je trouverai jamais de jeux qui font peur. Dans ce cas bah je vais faire des jeux qui sont dans l'ambiance, voilà. Donc on va commencer par ce petit jeu et puis après on fera un autre jeu qui est aussi à peu près dans le même genre, qui est plutôt pas mal. Donc du coup hop voilà, solo. Bon par contre c'est en anglais, je vais pas vous le cacher hein, je suis un peu une merde en anglais, donc ça va être compliqué. Hop là, ouais il est tombé, il est fou. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ok, donc en fait on peut avancer. Oula, alors déjà tu vois ça commence mal. Et c'est chaud parce que tu sais moi je suis pas habitué au clavier, tu vois. Le problème, c'est que j'ai pas de manette Xbox 360. Ah bah ouais, j'ai pas de manette Xbox 360, donc... enfin, disons que j'ai plus de manette d'Xbox 360. Et le problème, c'est que, X360, il fonctionne pas là-dessus. Ouh, qu'est-ce que... Ah, d'accord. Ouais, je viens de libérer un oiseau, en fait. Je viens de libérer un petit oiseau, et... Du coup, ça m'a donné une plume. Oh, gros, c'est bon. Donc, apparemment, il faudrait libérer plusieurs oiseaux. Par contre, faut que je fasse gaffe... Oh, calme-toi, gros. Calme-toi. Faut que je fasse gaffe. Oh, tu vas arrêter où? Faut que je fasse gaffe parce que si je me fais défoncer, je recommence tout, je suppose. Hein. Attends. J'ai jamais vraiment joué à ce jeu. Non, arrête. Non, arrête. Ça fait mal. Arrêtez, ça fait mal. Il y en a trop. Attends. Et vous arrêtez, oui? En fait, il spawn en permanence ou quoi? C'est pas possible. Non, s'il vous plaît, arrêtez, s'il vous plaît. Non, ça fait mal. Mais non, c'est dégueulasse. Calmez-vous, moi j'ai rien fait, moi. C'est pas moi qui ai fait ça, moi. Attends. Oh, vous allez vous calmer, là. Mais gars, ils sont abusés contre moi. C'est bande de narvalo, là. Oh, mais calmez-vous, regardez-moi ça. J'ai une carapace, mon gars. Oh là là, calmez-vous. Non, arrêtez, me tuez pas. Oh. Ouais, bizarre, il y a un truc noir là. Ouh, c'est ce qui fait apparaître les bêtes là. Alors juste, j'ai un petit problème. Oh, calmez-vous. Non, s'il vous plaît. Non, ne me tuez pas. Putain, bordel de... Oh, puis c'est le cri là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a là-haut, ça fait... C'est tout chelou là. Hop là. Non, me touche pas. On y va petit à petit. Non, ils sont tous sur moi. Allez. Cassez-vous. J'ai le troisième, je m'en fous. Oui, j'ai le troisième, on peut y aller. Vas-y, on se casse. Casse-toi, je m'en fous, j'ai plein de vie, je me casse. Non, je peux plus aller, je suis où? Ah, mais c'est là-bas, c'est là en bas. Non, calme-toi. Oui, non, je me casse, Hélène. C'est bon. Tiens, hop là, en plus j'ai une nouvelle arme maintenant. Ça, c'est bon, ça. Tiens, oh, je te jure, c'est chou. Chaud patate des fois, hein. T'es quoi, ça hein? Ah, mais c'est juste un décor, d'accord. Quoi, Axia? Attends. Déjà, vous calmez. Oh, j'avais... Vas-y, j'avais une masse de trucs, normalement. Ah, on peut voir la carte en entière. Tu vois? Ah ouais, d'accord. Eh, pas mal. Ah, franchement, pas mal. Donc, du coup, on peut zoomer avec ça, d'accord. Ok. Oh là là, bah donc. Ok, d'accord. Là, si on récupère ça, ça fait quoi? Ah ouais, pas mal. Ouais, mais c'est trop bien tout ce que ça tire. Attends, oh, déjà... Oh, papa, t'as vu comme ils sont gros? Mais oh, vous allez vous calmer? Non, mais attends, calme-toi. Va chez le dentiste, là. Va chez le dentiste de casser les steaks. Alors, du coup, ouh, pas mal. Ouais, attends, non, il fait mal, lui, là-haut. Oh, c'est malade. Merde, arrête. Hop là! Non! Oh, j'ai plus mes tirs! T'as
dommage. Déjà, tu veux te calmer, toi. Si. Là, ici, il y a quoi, là? Attends. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? Aïe! Mais t'es complètement malade! Tiens, puisque tu viens me bouffer rien. Ok, on change de jeu, hein. Bah oui, non, parce que là, ça commence vraiment à me péter, hein. Il est vraiment trop compliqué, ce jeu, c'est un truc de malade. Bon, allez, deuxième jeu, les gars. Donc, on est sur Octave, un petit jeu assez sympathique. Lui, il est déjà plus simple et plus amusant. Ah, l'autre, c'est bon, il m'a saoulé. Hein. Oh, pour le là, tu meurs pour rien. Bon, c'est bon. Donc, voilà, on a fait ce qu'il fallait. À la limite, on va même... Attends, non, voilà. Ici, là. Hop. On va mettre ça à fond. J'ai dit à fond, merci. Ouais, bon, c'est pas à fond, on s'en fout. Donc, on va jouer. C'est parti. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ok. Sympathique, non? Dans sa tête. Octave. Oui. Bon. On peut jouer? Nickel. Alors, donc apparemment, ce jeu, il y a juste besoin de la souris. Ouais, je t'assure, c'est un truc fou. Voilà, hop, on peut double-cliquer pour aller, pour courir, en fait. Voilà, donc des fois, il y a des objets à ramasser. Ouais, c'est assez sympathique comme jeu. Enfin, je trouve ça sympathique, en tout cas. Hop, on court. Et là, on sort. Ouais, enfin, on sort. On va dans un autre endroit, quoi. on évolue. Oh, attends, qu'est-ce que... Ah oui, c'est pour courir. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Ok, on récupère. Je ne sais même pas ce qu'on récupère, d'ailleurs, hein. Ah oui, on allume une bougie, c'est vrai. J'avais oublié. Ah ouais, non, il y a des fois, j'oublie. Voilà, ça arrive. Ok, donc, je sais pas quoi ça sert, ce qu'il y a en dessous. Ah ouais, non, mais je commence à être fatigué, hein. Donc, je me demande un petit peu. Voilà, hop. Là, normalement, ça allume un deuxième côté. Donc, normalement, comme sur une étoile de shérif, il y a six côtés. Enfin, six bouts, plutôt. Voilà, donc normalement, on a six... comment ça s'appelle? Des bougies. On a six bougies allumées, normalement. Ah, il manque une bougie. D'accord. Ouais, bah c'est où ta bougie, là? Enfin, une bougie ou même peut-être autre chose, hein. Je ne sais pas, mais... Putain, il y a la bougie qui est là. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Ah, j'avais pas vu! Bien joué. Pas mal. Allez, vas-y, cours, Forest, cours. Ah, j'adore. J'aime bien l'ambiance du jeu comme ça, un petit peu... tu sais, un petit peu, je sais pas, tranquille, tu vois. Tu sais, c'est pas un jeu speed. Non, c'est un jeu tranquillou, tu vois. Ça passe bien quand il est 5h du mat. Je t'assure, il est 5h du mat. Ah, c'est un truc de fou. Ah, mais j'ai tellement de choses à faire en ce moment. Je suis obligé. Bon, alors du coup, hop. Non, mais attends, j'ai rien pris. Je comprends pas, là. Ça se trouve, on peut y aller. Attends, vaut mieux pas se faire piéger. Tu sais, des fois, tu t'embêtes pour rien et puis au final, tu peux y aller. Allez, qu'est-ce que je disais? Oh, j'en étais sûr. Bon, alors du coup, hop, là, attends, je l'ai vu. Allez, hop, allume-moi ça. Plus que deux normalement. Hop, allez, cours, Maurice, cours. Ok, hop. J'essaye de pas parler trop fort histoire que ça reste dans le. Je sais plus comment ça s'appelle. Dans le ton du jeu, on va dire ça comme ça. Dans l'ambiance du jeu, voilà. Donc, du coup. Oh, la souris, elle commence à. T'as vu? Oh putain. Ah ouais, j'avoue que là, j'ai été surpris, hein. Oh, j'avoue que j'ai... Ah, un petit coup, quand même. Ah, un petit coup de surprise. Ah, moi, je suis pas du genre à avoir trop peur, mais par contre, je suis du genre à être surpris. Y a pas de souci, hein. Donc. Petite sueur froide, là. C'était délirant, ça. Ah, bon, alors, du coup.
On va avancer. Voilà. Non. Ah, bah, y a rien du tout. Ouais, non, j'ai pas l'impression. On va voir. Ok, y a rien du tout. Eh, franchement, délirant jeu. Délirant, délirant. Moi, j'en ai fait hein, des jeux d'horreur, tout ça, mais pff, ça m'a jamais vraiment fait peur, quoi. Je suis toujours là, hop. Je suis toujours à. Tu sais, je suis pas en mode concentré. Non, j'y vais, moi, dans le tas et tout. Enfin bon. Ou des fois, bon, on joue un petit peu. Un petit peu en mode. Ouh, il manque quelque chose. D'accord, ok. On va voir ça. Allez, cours, cours. Il faut se dépêcher un petit peu. Après, on doit aller faire les courses. Non, je déconne. Bon, ah, je l'avais pas vu. D'accord, ok. Bah, magnifique. Bah, voilà. Je suis pas assez attentif, apparemment. Donc, ouais, au niveau des jeux d'horreur, généralement, genre Resident Evil 4, enfin, genre Resident Evil 4, c'est pas vraiment un jeu d'horreur, mais tout ce qui est Resident Evil 0, 1, Code Veronica X, enfin, ces Resident Evil-là, j'ai pas vraiment été, enfin, j'ai pas vraiment eu peur, tu vois, c'est des jeux, tu... Voilà, à part si vraiment t'es concentré, bon, c'est pas... Voilà, tu te fais surprendre 2-3 fois, parce que c'est vite fait, quoi. Bon bah dis donc, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais me barrer? Non? Est-ce qu'il faut que je lui pète la tête là? Oh, je fais comment? Non! Il m'a explosé, non! Il m'a défoncé la tête? Oh, l'enfoiré! Vas-y, attends. On va prendre la revanche là! Comment on fait pour lui... Comment on fait? C'est sûr, il faut vite courir. Hop. Et voilà, parle-lui. Et non, tu cours là, tu cours ta race. Vas-y, cours. Cours. Non, t'es obligé de te faire défoncer. Faut peut-être pas lui parler. Ah, c'est peut-être un piège. Hein. Ah, on verra bien, on verra bien. Donc on va voir. Hop, on court, Boris. On court. Allez, cours, cours, cours. Tu peux y arriver, je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux y arriver, mon petit. C'est bon, on peut y aller, là. Ouais? C'est bon, c'était un piège. Ok, nickel. C'était un pur piège, on peut pas s'en sortir. Donc... Encore? Tu vas pas me dire qu'on vient sur... On revient en boucle? Vas-y, vas-y. On revient en boucle, non? Sérieux, là? Je fais comment, moi? Je peux pas courir. Je comprends pas. Essaye de lui parler à elle là. Ouais. Comment je vais faire? Vas-y, cours, cours, cours. Ouais, c'est ça le problème. Je fais comment dans ce cas? Mais ouais, c'est chaud là. Comment est-ce que je peux faire? Attends, je vais voir s'il y a pas des... Ah, ils disent pas un petit peu... Ouais, non, ils disent rien. Il y a que la souris, de toute façon, pour jouer, là. C'est ça que je comprends pas. Comment tu veux que je fasse? On va essayer de lui parler, tiens. Hop. Voilà. Monsieur, saloperie. Ah, calme-toi. Ah, d'accord, pas mal le concept, pas mal. Ouais, d'accord. J'avais pas compris, ok, ah ouais, c'est bon. On pense que tu pouvais courir, voilà, nickel. Ah, des fois, il a du mal à courir, des fois. Hein. Eh, franchement, pas mal, pas mal. Il faut arriver à comprendre, mais pas mal. On avance un petit peu, quand même, voilà. On regarde par terre, ok, qu'il y ait des choses, quand même. Des choses à allumer, ou ce genre de choses. Ouais, j'ai pas l'impression d'avoir vu quoi que ce soit. C'est bon ou pas? Nickel, ok. Hop. Oh, il y a un marais, là. Ah, il y a un petit marais. On avance. Ok. Ouais. Ça va. Ok, il y a rien du tout. Ouais. Non, je regarde à chaque fois au cas où qu'il y ait quelque chose et tout, mais... Ouais, il y a rien du tout, il y a rien du tout. Hop, 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 calme-toi. Va pas dans le marais, toi. Prends ça, là. Voilà. C'est bon? Il se passe quoi? Ah non, il y en a encore un autre! Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oula, déjà 7? Oula, bah c'est pas une étoile de shérif ça, hein? Normalement, une étoile de shérif, si je m'en rappelle bien, il y en a 6. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas mourir. Ah non, c'est bon. Ça, on sait jamais des fois.
Et bouf! Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis noyé. What? Non. Vas-y, ouais, je fais comment? Hein? Je fais comment dans ce cas? Une espèce de grand malade. Qu'est-ce que tu vas faire? Attends. Déjà, on va allumer ça. On va peut-être revenir en arrière, parce que là, on peut pas y aller. Hein, c'est pas... Attends, il y a un truc en bas. Ouais, d'accord, ça c'est... Continuer. Et là, le point d'interrogation, c'est quoi? Quoi? D'accord. Oh, calme-toi. Toi, l'autre, t'es en mode sérieux. Ouais, je vais te défoncer. Non, tu... Oui, je veux bien, oui. Je suis comment dans ce cas? Oui, je veux bien, mais... Ouais, mais bon... Le problème, c'est que je fais quoi dans ce cas? Ah, il y a des fois, ça y est pas. Eh ouais, bah c'est bien ce qui me semblait, j'avais bien compris ça. D'accord, il y a des fois, ça disparaît. Ok. Attention. Voilà, nickel. D'accord, eh, fallait comprendre. Eh ben, nickel. Attends, on fait gaffe, quand même, on fait gaffe. C'est bon? Ça a l'air d'aller, c'est bon, nickel. Oh là, eh, pas mal, d'accord, ok. Fallait comprendre, quand même, fallait comprendre. Donc, on avance encore un petit peu. Bah ouais, on avance encore un petit peu. Voilà, du coup. Oh, on arrive sur un pont, d'accord. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas... Non, il n'y a pas de point d'interrogation, donc c'est bon. Parce qu'en bas à gauche, des fois, il y a un point d'interrogation pour te dire un petit peu ce qu'il faut faire. What? Mais non! Je fais comment, moi? Hein? C'est quoi? Je suis mort ou pas? Non, c'est le... Ouais, la suite du jeu, d'accord. C'est fait exprès. Ah ouais, il n'y a pas de point d'interrogation, donc c'est bon. Allez, cours, mon Loris, cours. Tu peux le faire. J'adore comme il court. En mode sérieux, c'est... Oh, je vais te défoncer, toi, vas-y, viens là. Je trouve ça marrant. Oh, attends, j'ai une... Une bougie en moins, c'est quoi ça, là? C'est dégueulasse. C'est bon, ça a l'air d'aller jusque là. Ouais, l'ambiance est vraiment, vraiment sombre, hein. C'est un truc de fou. Alors, c'est bon? Nickel, ok, on passe. Hop. Ça se trouve, il y a une bougie qui s'est éteinte. Hein. Ah, peut-être, hein. Ou qui s'est consumée. Peut-être. Ah oui, regarde, ça devient de plus en plus sombre. Non? Enfin, c'est peut-être un effet, je sais pas. Ouais, non, ça doit être un effet. Enfin, c'est plus un effet, je veux dire. Hop. C'est bon? Nickel. Donc, ah, bah nickel, vas-y, allume-moi ça. Tout doucement, le mec. Ouais, je prends mon temps, tranquillou. C'est pas comme si on allait mourir. Ok, donc c'est bon, on a rallumé encore une petite bougie. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, attends. Je vois un petit point d'interrogation. Oh, c'est quoi ça? Ah, pas mal. Alors, on va juste faire ça. Oui, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, j'ai bien compris ça, mais bon. Bizarre. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord, oui, bon, on va voir lui déjà, ce sera déjà bien. Qu'est-ce qu'il veut? Alors. Ouais, oh, tu vas te calmer. What? D'accord, ok, oui, non, mais calme, mec. Bon, pas de soucis. Bon, ce qu'on va faire, c'est quand même bon, on va dégager un petit peu quand même, parce que là. Ouais, non, je vais vraiment dégager en fait. Vas-y, cours, toi, cours. C'est bon? Vas-y, mais. Eh, oh. Vas-y, cours. Vas-y, regarde sa tête à l'autre là, comme il est moche et tout là. Sérieux? Non, mais attends! Je veux pas mourir, moi! Ok, bah pourquoi pas? Ok. Bah, sympathique de ta part de m'avoir tué dans ce cas. Ouais, non, mais franchement, je suis super content d'être mort comme ça. Ok, donc on rallume, on refait un petit peu ce qu'il y a à faire. Hop. Ok, donc voilà.
Maintenant on connaît. Juste, je sais pas comment on va faire. Pouh, mais c'est un truc de fou. Alors. Ok, donc là il y a un pic. Oh! Il y a des pics. Et là il y a quoi là-haut? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, en attendant, il y a lui. On va faire ça, on va essayer de le réinvoquer. Ouais, ouais, je veux bien. Non, t'es vraiment moche en plus, hein. Oh! Yeah, c'est qui l'intelligence? Hein? Allez, boum, et bon, on va faire ça. Allez, cours, mon petit, cours. On a trouvé une nouvelle idée, cours. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur lui. Voilà. Mais bon, tu vas te calmer, mon petit, là. T'es moche, hein. Ça y est, ça y est, t'es moche ou pas? T'es même très, très moche. Tu peux pas prendre l'autre, là, qui est par terre, là, sans défense? C'est mieux, non? Alors, hop. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? T'as le démon, là, hein. Voilà. Allez, hop, ça, c'est fait. Maintenant on y reva, je pense. On nirvana. Ok. Non, oh, calme-toi, c'est bon, je rigolais. Vite, hein. clic. Ah, d'accord, j'y ai pas pensé. Mais effectivement, le brocheter comme ça, c'est pas con. Bon, alors, nickel, on va marcher sur lui. D'accord, on marche à côté, bon, c'est pareil. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, on va voir déjà... What? Hey, j'ai vu la chose derrière, hein, je l'ai vu. Hein. Ah, d'accord, ça s'allume. Ah, il faut y éteindre. Ah, il doit y avoir un code. Ok, c'est bon, j'ai compris. Non, j'ai compris. Donc, on va aller voir le code, ce que c'est. Par contre, je vois que dalle. Oh! Yeah, j'ai réussi. Oh, je suis trop fort, t'as vu ça un petit peu? Ah non, mais je suis en puissance, moi, de toute façon. En fait, il fallait trouver les signes qui correspondaient... Bon, en gros, il y a des signes sur le côté de la porte. Et en gros, ceux qui sont représentés là-haut, ben, y a un certain, donc il y en a 3 en tout, qui sont représentés là-haut et sur la porte. Et en gros, il fallait activer les signes correspondants grâce aux bougies en les allumant. Voilà, donc je sais pas si vous avez bien compris. Oh, attends, il y a des choses ici. Il y a des choses, ok, donc déjà il y a quelque chose là. Je pense que ça va être le dernier niveau qu'on va faire, parce que bon... je sais pas, on verra bien. Ok, donc je peux pas ouvrir déjà, c'est déjà ça. Et là. Je peux rien faire ici, ok. Qu'est-ce qu'il y a sur eux? Non, ça, d'accord, je sais pas ce que c'est. Donc du coup... Ouh, là-haut, il y a un truc là-haut. On peut récupérer ce truc là-haut? Non, on peut pas, bien entendu. Sinon, il y a quoi d'autre? Ah oui, il y a ça. Ouh, un marteau. Et là, il y a quoi? Une porte. Génial. Et là, il y a quoi, là? Ok, on peut débrancher. D'accord. Et là, c'est quoi là-dessus? Un V, donc ça fait Eve. Pas mal. Ouais, y a quoi en dessous? Ok, d'accord. Y a ça. Une bouteille, pourquoi pas. Y a aussi ça ici, là. Ah, mais c'est pour la suite, c'est ça? D'accord, mais dis donc, y a bien un masse de trucs, là. Ouais, un livre, hein? Non, c'est pas ça. Bon. Oh! C'est passé quoi? Je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'espère que j'ai pas fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a? Ah, des planches. Pas mal. Et là, y a quoi ici, là? D'accord. Oh, y a un chat. Mais dis donc, c'est délire. J'espère qu'il va pas me sauter à la gueule. Non, c'est bon. Nickel. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir ça? Non, on peut pas ouvrir ça. Je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à faire ici. Hein. Oh, truc de fou. On va essayer de voir ce qu'il y a là-haut. Oh, un N. Ça fait... Ça fait Evne. Nickel. Là-haut, il y a quoi?
C'est quoi ces trucs là? Ok. Ah, il y a ça. D'accord, je peux rien prendre ici. Ah, je peux pas remplir la gamelle. Ah, ça va peut-être pas mal. Oh, attends, j'avais pas vu ça. Ça, j'avais pas vu. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, une clé! Nickel. Vas-y, vas-y, ouvre, ouvre. Ouvre. Ouais, je... Ah, dommage. Il n'empêche, ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, tu peux pas? Bon, bah, va ici, alors. Oh, le chat, t'as vu, il est là. Trop fort, ça. Attends, attends, hop. Voilà. Vas-y, prends ça. Enfin, ouvre ça, je veux dire. D'accord, bah, je sais pas du tout à quoi ça sert, tout ça. Et donc, du coup, ouais, y a toutes les manivelles. Il y a le robinet et ça, d'accord, ok. Donc, on va aller là, déjà. Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est le chat, c'est ça? Eh, chat, tu te calmes, hein. Fais gaffe, je t'ai à l'œil, hein. Bon, on va essayer de toucher à ces manivelles, là, je sais pas ce qu'on doit faire. Je sais pas du tout. Et toi, c'est quoi, ça? D'accord, un petit crâne, tranquillou. Ouais, attends juste. Ok, on va juste voir ça, en fait. Ah, vas-y, cours, cours, cours. D'accord. Ouais. Vas-y, ouvre-moi ça. On va aller là, hop, voilà. Bon, bah, je sais pas du tout à quoi ça sert tout ça. Ouvrir la porte. Oh. On peut pas ouvrir la porte? Ah, d'accord, je peux choisir les choses en haut. Ah, mais il fallait le savoir ça aussi là. Moi je savais pas que je pouvais choisir les choses en haut comme ça. Viens, tu vas vers le haut. Et tu peux choisir. Ah, comme ça. Et bah voilà. Je me disais aussi, c'était chelou, là. Ah, non mais attends. C'est normal aussi. Attends, je peux pas non plus... Je peux pas tout savoir, moi, non plus. Hein. Bon, alors. Il y a quoi, là? Croquette pour chat, là? Hop, là. Nickel. D'accord, je me demande à quoi ça sert, mais enfin, bon, si tu le dis. Ouais, donc j'ai pas d'autres clés. Voilà, donc c'est bon, j'ai trouvé comment on fait maintenant, c'est cool ça. J'ai pas d'autres clés, donc... Ok. Il s'est passé un bordel là-bas, je sais pas ce que c'était. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, c'est pas ça qu'il faut utiliser, ça peut-être? Non. C'est dans ce genre de situation, tu t'embêtes pas, hein, tu utilises tout ce qu'il y a, et puis... Puis au moins, t'es sûr de pas louper quelque chose. Non, bon, tu sais quoi, on va aller là-bas. Du coup, maintenant, on va tenter d'ouvrir ça, peut-être. Comme ça. Non? Comment je vais faire ça, moi? Comme ça, peut-être. On sait jamais, tu sais, des fois. On sait, tu sais pas pourquoi. Une tête de mort, boum, ça s'ouvre. Non, ça passe pas. Et là? Là, est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, il y a tout ça, mais il n'y a pas vraiment... Je comprends pas, moi, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça? Je comprends pas du tout. On va essayer de voir à la fin. Si on peut pas ouvrir avec le marteau. Ah, bah voilà! On peut ouvrir avec le marteau, nickel. Alors, qu'est-ce qui se traîne ici? D'accord, déjà, il y a ça. Ouh, on a eu ma lumière, c'est pas mal, ça. Ça sert à quoi, ça? Ok, je sais pas ce qu'on a allumé. Ça sert à quoi? Ok. Bizarre. Comment on pourrait faire pour réparer ça? Comme ça? On sait jamais des fois. Hein. Pourquoi ils disent qu'il y a quelque chose en dessous? Ouais, bizarre. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On pourrait prendre ça peut-être? Non. Tête de mort? Non? Non plus? Bon, voyons s'il n'y a pas autre chose. Ok, attends, là, il y a une planche de bois, là, déjà. Nickel. Ok, là, ici, il y a un mug. Ah non, il y a un E, d'accord, il y a un E. Ok, là, il y a un coffre-fort, là. On va prendre le coffre... Ouh! Comment on fait ça? Ouais... Ah, il a fait tomber ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, la clé, yes! Vas-y, attends, on va mettre la clé. Hop, nickel. La petite clé, est-ce que ça passe?
Quoi? Oh. Non, clé de voiture, clé de voiture. Bon, allez, ce qu'on va faire, on va tenter d'ouvrir ça. Yeah, c'est qui le BG? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi que j'ai eu? Oh, attends, j'ai une petite idée. On va descendre en bas. Attends, déjà, on va allumer la lumière. Allez, hop, voilà. Voilà, ça, attends, je te dis, ça va fonctionner. C'est obligé. Regarde, hop. C'est qui le BG? Oh, putain, il est con celui-là, c'est pas possible. Bon alors du coup, est-ce qu'on peut descendre en bas? Est-ce qu'on peut descendre en bas? Non, on peut pas descendre en bas. Parce que ça a servi à quoi de l'allumer? Ah, attends. Quoi? Il est descendu tout seul? Deux. Là, il y a le chiffre 2, là. Oh, j'ai trouvé un truc, là. T'as vu? Attends, j'ai trouvé un truc, là. Je sais pas comment j'ai fait. Donc, deux... Enfin, regarde. Les deux premiers... Enfin, le premier vers le bas. Le deuxième... Les deux autres sont vers le haut. Et les deux derniers sont vers le bas. Bon. Donc, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas du tout. Oh, vous savez quoi? Je viens de repenser aux flèches qu'il y avait sur le tableau, là-bas. Avant d'aller dans la cuisine. Ça disait bas, haut, haut. Bah, bah. C'était ça, en fait, le truc. Eh ouais. Ah là là, mais j'y ai pas pensé. Mais ouais, comme un con. Donc, là, on a un 4, déjà. On a un 4, c'est plutôt pas mal. Donc, du coup, il nous manque encore deux chiffres. On a 2, 4. Oh, quoique 2, 4, c'est déjà bien. Hein. Amit, ouais, je sais ce que je vais faire. Là où je peux? Non, je peux rien faire, là-haut. Là non plus. Ah si, c'est bon, c'est tombé. Mais nickel. Une clé, bah voilà. Est-ce que la clé sert à ouvrir ça? Bon, ça donne quoi? Nickel, ça a fait plaisir. Y'a quoi dedans? Une planche, quoi! Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la planche? Bon, bah on va s'arrêter là, hein? Bah oui, on s'arrêtait là parce que... Bah j'arrive pas à trouver la... Bah déjà, y'a pas de solution sur internet, ça c'est sûr. Et puis bah j'arrive pas à trouver. Franchement, je trouve pas. Donc j'ai un 4, j'ai un 2. J'arrive pas à trouver d'autres numéros. Y'a plus rien à faire. Y'a une croix de Jésus là qui est en l'air. Et une voiture qui est fermée à clé. Et on peut interagir avec ni l'un ni l'autre. Donc, et puis aussi la fille là qui est dans la baignoire. Là, tu sais pas ce qu'elle fout là. Et puis bah y'a ce fameux coffre. Mais on a le chiffre 4 et le chiffre 2. J'ai essayé pas mal de combinaisons. Rien n'a fonctionné. Bon. C'est pas que là, franchement, comment ça? Bien fatigué, mais un petit peu, donc on va s'arrêter là. Voilà, donc j'ai essayé de trouver quand même des jeux sympathiques. Bon, y en avait que deux, mais bon. Et puis le premier, c'était pas non plus extrême. Hein, le premier, on va pas se cacher, il était pas non plus génial. Hein, bon. Mais le deuxième, ça va, celui-là, il est plutôt pas mal. Donc j'ai essayé de trouver voilà, des petits jeux sympathiques pour Halloween, tranquillou, comme ça. Bon, c'était pas extrême, hein, c'était pas... Bon, c'était pas non plus l'éclat total, mais ça, c'était assez sympathique. Et donc, du coup, bah, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi sur ce, je vais vous dire à une prochaine vidéo, je vais vous dire ciao, et puis n'oubliez pas, moi, c'était cool.